Alors, je vais vous faire une petite vidéo là, parce qu'il vient de se passer quelque chose aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo. Alors, là, vous avez ici, là, derrière, vous avez le Discord. Là, vous avez une vidéo de Bendak. Il parle de Patrick Hotel. Bon, je vous dis, cette vidéo, faut aller la regarder. Parce que il a entièrement raison, Bendak. Entièrement raison. Voilà. Quand je dis là, c'est pas qu'il a, il a pas raison ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que dans cette vidéo, il a raison, mais à 300%. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que moi, j'ai connu le mec dont il parle. Je l'ai connu. Et ce mec dont il parle, vous allez voir dans cette vidéo, bah, vous taperez Ben Maxlot et puis les vendeurs de rêves. Voilà. Ce mec-là, dont il parle. Moi, il m'a envoyé un email un jour où me demandait mon système de l'époque. Incroyable, non? Incroyable, ce que je vous dis. Et pourtant, c'est vrai. Voilà. Alors, donc je vous passe un petit peu la vidéo. Encore une fois, je suis trompé, mais j'ai 99,9% de chance d'être bon dans ce que je dis parce que j'ai fait l'expérience personnellement. Je me suis Pareil fait que lui, hein. Moi, je avoir, suis pareil que lui. le même schéma qui revient et ça ne me trompe pas. Bien sûr. Pomme, c'est une pomme. Oui. Moi, c'est une pomme. Une chaise, c'est une Bref, chaise aussi. voilà, donc je Pareil. n'accuse personne juridiquement parlant parce que ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Elle reflète mes opinions, mon expérience. Et elle va vous guider, et je vais essayer du mieux possible de vous expliquer les points à regarder et tout, vous allez voir, pour vous, et vous éviter de tomber dans les pièges que moi, bah, je suis tombé étant plus jeune. Voilà, je Voilà. fais pas plus long, j'espère que c'est clair. Je vous souhaite un bon visionnage. Accrochez vos ceintures, ça déménage. Ouais, moi, ça va déménager aussi, vous allez voir. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vais pas me faire des nouveaux amis. Ouais. Oh non. Pourquoi? Il a Mais c'est le raison, but hein. de la vidéo. On va parler des vendeurs de rêves. Voilà, vendeur de C'est quoi un rêve. vendeur de rêve pour moi? C'est quelqu'un qui, alors dans le monde bien sûr de la roulette, Voilà. quasiment en général, c'est des gens qui vont faire des promesses de gains assurés, de stratégies infaillibles, de revenus réguliers, passifs ou Bon. pas, ou voilà, ce genre de choses. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer entièrement la vidéo, puisque de toute façon, elle est sur YouTube et vous taperez Ben Laxlot, les vendeurs de rêves, vous allez les visionner vous-même. C'est une vidéo qui est primordiale à regarder. D'accord? Bon. Alors, maintenant, je vais parler un peu de moi. Par rapport à ce que dit Ben Lax. D'accord? Je vais parler un peu de moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Alors, je suis pas là pour me la raconter, je suis pas là pour parler de ma life non plus. Je suis en train de dire simplement que j'ai connu, moi, la roulette il y a une dizaine d'années. Voilà. Je suis passé professionnel à un moment donné, il y a 5 ans ou 6 ans, je sais plus exactement. Bon, voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai délaissé un peu la roulette parce que je suis rentré dans une team de poker où je me suis fait stacker et j'ai commencé à gagner ma vie beaucoup plus régulièrement que la roulette, avec le poker. Voilà. Et récemment, je me suis remis un peu à la roulette par passion, parce qu'on aime ce jeu. Derrière, j'ai ce taf de boulot où je travaille pour une team professionnelle, où je suis stacké, et puis voilà, vous savez comment ça se passe, une team, donc on est stacké, etc., professionnel, dans une catégorie de jeu. Là, il y a un Discord qui est derrière, vous voyez, là, je vais vous montrer, et bon, j'ai été viré, ils m'ont viré, les mecs, hein, fou d'ailleurs. Donc, je suis dans deux teams et je suis aussi dans celle de Ben Nack aussi, je crois. Aussi, ouais. Voilà. Donc, je suis dans trois teams en fait. Il y a cette team-là, il y a cette team-là. Bah, je suis plus dans deux teams, j'étais dans trois teams. Et l'autre, en fait, la troisième que je pensais c'était une team, en fait, c'est pas une team. C'est pas une team. Et je l'ai compris aujourd'hui en fait. Je pensais que c'était une team parce qu'il parlait de roulette, etc., etc. Mais en fait, c'est des programmateurs d'Excel qui sont là pour vendre des trucs, des logiciels, pour vendre des trucs. Alors attendez, hein, pas un petit prix. Hein, ils te vendent pas. C'est genre abonnement 100 euros par mois. Ou alors, t'achètes le truc, c'est 400 boules, hein, 400 boules quand même, avec une licence à vie. Bon. Et les mecs, ils t'expliquent. Attends, c'est pas fini. Ils t'expliquent que, alors. Le nom des mecs. Alors, il y a un mec qui s'appelle Daniel Laroulette. Voilà, programmateur en Excel. Hein, je le dis, hein,
comme Benna qui parle de Patrick Cotten, donc je vais dire des noms. Et il y a un nom qui s'appelle Captain, je sais pas quoi. Bon. Les deux, là, qui ont créé ce réseau. À un moment donné, moi, je crois que c'était une team, j'ai dit, mais vous faites quoi, les gars, là? Vous vendez quelque chose? On est dans une team, là. Il y a quelque chose qui te dérange, ils me disent. Alors, je leur explique. Je leur ai écouté les logiciels. Là, vous promettez des trucs, mais ça n'existe pas, en fait, ce que vous êtes en train de dire. Vous vous dites que, soi-disant que c'est un grand professionnel de la roulette qui leur a fait le système. Ils en ont fait un fichier Excel parce que les mecs, par contre, ils savent programmer en Excel. Et donc, ils en ont fait un logiciel qui est extraordinaire. Extraordinaire, d'après eux, tu vois. Et les vidéos qui montent, attendez, c'est pas fini. C'est à mourir de rire. Les vidéos, elles durent genre 3 minutes, dont une qui a été faite par un de mes amis, où on lui a passé certainement le soft, où il mise des pièces de 10 centimes. Et eux, c'est pareil, hein. Sur la roulette bleue en RNG, la mise du total sur le tapis, c'est genre 2,60 € voire maximum 3 €. Ils sont sur des. Alors le système s'appelle le. Je crois que c'est. Que je dise pas de conneries, mais s'appelle le diable, je sais plus combien. S'appelle comme ça le système. Pas du tout d'ailleurs ce système. Bon, peu importe. D'ailleurs, je m'en fous complètement d'ailleurs. Et donc ils sont sur. Ils misent comme ça, sur des splits, des corners, et. Alors, je ne sais pas si c'est des numéros pleins dedans, j'en sais rien, mais il y a. Bon, en tout, ça fait 2,60 € de mise sur la roulette bleue. D'accord? Bon, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, bon, comme tout le monde, hein, d'accord? Bon. Et le mec, les mecs, ils sont en train de te dire que c'est un grand professionnel qui a fait ce système, que je ne sais pas quoi, etc. Alors moi, je leur ai écouté, les gars, avant de vendre des trucs de rêve comme ça, là. Aux gens là, ici, là, à des joueurs de roulette qui sont novices, qui croient qu'ils vont gagner leur vie, parce que ce que dit Ben Nat, c'est qu'il a raison. La roulette, elle est perdante. Lui, il dit 2,7. Moi, je dirais plutôt 2, entre 2,5 et 2,7%. Bon, on est d'accord, Ben Nat et moi. En tout cas, c'est entre 2,5. Entre lui, il dit 2,7. Bon, il a certainement raison, Ben Nat. C'est plutôt 2,7 que 2,5, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est plutôt 2,5, mais je pense que lui, il a plutôt raison, Ben Nat. C'est même 2,7% à cause du zéro. OK? Elle est gagnante à cause du zéro. Parce qu'il y a 37 ans, mais pas 36. Voilà. C'est facile à comprendre, ça. Donc, elle est gagnante à long terme, en fait. D'accord? Donc, moi, ce que je veux vous dire. Donc, ces mecs-là, ils postent des vidéos comme ça, sur la roulette bleue en RNG. Okay, avec des démonstrations, des pièces de 10 centimes. D'accord? Okay. Les mecs, ils ont fait 3 € ou 2 € ou 4 € de bénéfice, puis c'est stop. Voilà. Ils vendent ça 400 boules. Alors moi, je leur ai dit, mais attendez, les gars, faites-nous des vidéos qui durent au moins 1 heure, et misez à pièces de 5 balles sur les trucs, et montrez que pendant 15 sessions, vous prenez des 60 ou des 80 € par session. Ils m'ont viré. Ils m'ont viré, ils ont viré ma réponse, mes réponses. Ils ont tout viré, ils m'ont viré de duel. C'est pas à pisser de rire, ça. Ces mecs-là, c'est pas à pisser de rire. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, ça c'est très important. Moi, là-bas, je suis un jour de numéro plein. D'accord? De secteur. De tendance à secteur, de numéro plein. Comme fait un peu Karl Roulette. Attention, hein. Je ne suis absolument pas Karl Roulette. Karl Roulette, il n'y en a qu'un. Lui, c'est un génie de la roulette. Il est la roulette comme un livre. Personne ne joue comme lui. On est d'accord. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas d'essayer de jouer comme lui, vous allez tout perdre. Hein. Voilà. Parce qu'il n'y a que lui qui sait faire ça. Bon. Il y en a certainement d'autres dans le monde de la roulette, des joueurs professionnels comme ça qui jouent un peu comme lui, dans les casinos terrestres, mais on ne les voit pas sur le online. Bon. D'ailleurs, peut-être qu'ils font pas du tout d'online. Voilà. Mais ce genre de jeu-là, attention, faut connaître très bien la roulette pour jouer comme ça. Alors moi, si vous voulez, il n'y a pas que ces systèmes-là, il y a des systèmes aussi avec des. Ben, vous connaissez tout ça, quoi, avec des couples, ce qu'appelle moi les couples de nombres. Ben, le 0 attire le 10, le 10 attire le 0, le 2, le 22, le 23, ça reverse le 32, le 23 après le 3. Et ça, enfin, toutes ces choses-là, là, il y en a je ne sais pas combien, bon, des couples comme ça de nombres.
des numéros qui s'attirent ensemble. On sait que le coin 2 va tombe dans les 10 prochains, peut-être un 22 va tomber, ou même le prochain d'ailleurs, ou vice-versa, par exemple. Ou je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux, le 16 et 36, il y en a plein, plein, plein. Je sais pas, on n'est pas là pour faire un cours sur les couples de nombres, vous voyez. Bon. Mais tous ces systèmes-là, ça marche ou ça marche pas? Hein, les systèmes de numéros pleins comme ça, à long terme, ça ne marche pas. À moins qu'on s'appelle Carl Roulette. Mais Carl Roulette, il joue pas à long terme. Il joue à court terme. Hein, et puis lui, il est la roulette comme vous lisez un livre. Voilà. Donc c'est ça. Et il y a une autre chose. Moi, j'ai discuté avec Carl Roulette un jour sur YouTube. Je vous l'avais déjà dit. Lui, il ne vend rien à Carl Roulette. Parce que je vais vous dire une chose. Moi, ce que je leur ai expliqué à ces mecs-là, je leur ai dit, mais écoutez, puisque votre système est extraordinaire, et donc vous gagnez votre vie avec la roulette. Mais si vous gagnez votre vie avec la roulette, vous n'avez pas besoin de vendre des logiciels. C'est logique, non? Ils m'ont viré. C'est pas incroyable, ça. Non, mais vraiment. Mais j'en ai rien à foutre de ces mecs-là. Mais c'est juste ce que je dis. Et là, je leur ai dit, bah, puisque vous me virez, moi, je vais faire une vidéo et je vais parler de vous. Voilà. Donc, des systèmes sur les numéros pleins qui marchent à long terme, ça n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? N'achetez aucun logiciel qui vous promesse des garanties sur des numéros pleins avec des stratégies, des machins. Ça ne fonctionne pas. OK? Voilà. Et je vais dire une autre chose. Et là, je vais parler d'un copain de la roulette que je connais depuis des années. Mais lui, c'est un vrai. Et je lui enverrai d'ailleurs le lien. Il s'appelle Dan. Et lui, c'est un vrai. Lui, par exemple, je vais vous expliquer. Il a un logiciel qui est extraordinaire. Mais c'est même pas un logiciel, on pourrait dire. C'est un véritable tableur de statistiques, de méthodes, quoi. Voilà. Mais par contre, il faut savoir s'en servir. Vous comprenez? Et Dan, en fait, c'est un vrai joueur. Et il est très fort. Très fort. Moi, j'ai appris beaucoup avec lui. Voilà. Et attendez, son logiciel, son truc, il a mis des années à le construire. Je ne sais pas combien de méthodes. Le truc s'appelle Roulette Elite. Vous pouvez. Bon, Dan, je te fais un peu de pub. Mais bon, tu le mérites. OK? Moi, je l'ai utilisé. Alors, moi, je ne sais pas bien m'en servir. Hein. Je connais des choses, mais je ne suis pas un expert là-dedans. Quand on va dans sa team à Dan, il y a des experts là-dedans. Il y a des joueurs qui utilisent son logiciel et qui se font des revenus par mois. Mais ils ont travaillé grave dessus. Voilà. Et moi, j'ai assisté à des séances de joueurs qui sont dans la team de Dan, qui jouent terrible avec ce logiciel. J'ai même parlé avec eux. Voilà. Et je suis toujours dans la team de Dan, d'ailleurs. Je suis toujours là, j'observe ce qui se passe. Bon. Mais Dan, quand il loue son logiciel, c'est genre, c'est déjà pas 100 euros par mois déjà. C'est beaucoup moins déjà. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est 5 euros par jour, si on veut le tester. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que Dan, c'est pas un escroc. C'est un vrai joueur et c'est un mec humain qui a un cœur gros comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais tous les autres vendeurs de rêves à la con, de je sais pas quoi, là. Attends, j'ai mon réveil qui sonne, là. Tous ces autres vendeurs de logiciels à la con, là, trois systèmes de merde qui vont marcher à un moment donné à court terme et puis à un moment donné ça n'a plus du tout marché. Parce qu'il n'y a aucune méthode qui marche à long terme. C'est ça qu'il faut comprendre. La roulette, c'est un jeu qui se joue à court terme. Ou alors, vous faites comme moi maintenant. C'est vous trouvez un système qui sont même plus sur le numéro plein. Remarquez mes vidéos. Là, je me suis fait 258 euros en 3 jours. Bon, moi je monte les vidéos où je gagne ou je perds. D'accord? Quand je les enregistre, évidemment.
Il y a des vidéos que j'ai perdues, il y a des choses que j'ai perdues, j'ai pas enregistrées, des choses que, bon, il y a des choses que j'ai gagnées, j'ai pas enregistrées non plus, enfin, bon, peu importe, il y a des vidéos où je gagne, je monte, des vidéos où je perds, je gagne, je n'enregistre pas forcément toutes mes vidéos, mais j'essaie d'en enregistrer le plus possible pour vous montrer. Bon. Le système que j'utilise actuellement, c'est quoi? J'ai parlé de Dan, maintenant je vais parler de moi un petit peu, mais 3 secondes. Parce que j'ai parlé de Dan, pourquoi? Pour les choses que je vous ai dites. Là, je suis en train de démonter les vendeurs de logiciels. Sauf mon pote Dan. Parce que lui, c'est un vrai. Et puis ce qu'il loue, c'est pas de la merde. Ce qu'il loue, c'est un vrai logiciel de statistique. C'est même le meilleur au monde qui existe de statistique, de logiciel. Il n'y a pas mieux que son logiciel à lui, avec les méthodes qu'il a. Il est fantastique, son logiciel. Bon, c'est une usine à gaz. C'est un truc, vraiment, faut travailler, faut. Ah ouais, mais il y en a pour la vie. Mais par contre, quand tu travailles sérieusement comme un vrai professionnel, tu peux gagner ta vie avec. Voilà. Ce que je veux dire, je vais en revenir à moi maintenant. Pourquoi moi, avant, je jouais avec les numéros pleins, maintenant, je joue plus que les chansons simples. C'est pas à pisser de rire, ça? Je joue plus que ça. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé, en fait, à la base du système Crésus que je jouais avant, j'ai trouvé mon propre système qui est aussi stable que le système Crésus et encore plus sécure à force d'observation. Donc j'ai créé ce propre système. Voilà. Et moi, je ne vends rien. Vous voulez que je vous explique? Vous avez mon email. Vous avez mon email. Je vous le donne, le système. Comprenez ce que je veux dire? Je vous le donne. Je vous explique tout ce que je fais. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos pédagogiques sur un moment donné sur le système Crésus. Justement, là, on voit Bennac, mais quand il parle du zéro, vous vous rappelez? Là, j'ai dit, oui, Bennac, tu dis le zéro sur le système Crésus, il faut jouer juste après le nom, mais pas forcément. T'as raison, mais ça dépend quelles conditions. Vous vous rappelez quand je parlais de ça? Avec tout le respect que je dois à Bennac, bien sûr. Parce qu'effectivement, le PDF du système Crésus, et tout ça n'est pas clair quand le zéro. Alors Bennac, il regarde ses notes, il dit, ah oui, après le zéro, faut jouer. Bon. OK, mais quand on étudie vraiment le système, vraiment, quand on le joue, bon, Bennac, il dit qu'il l'a joué quand même pendant des années, apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre, et que lui, il remise après le zéro, il attend un nombre pour avoir le final d'attaque. Mais moi, je me suis rendu compte, en fait, à force d'observation, que pas forcément, en fait. Voilà. Ça dépend des conditions, en fait. Et si Benna qui tombe sur cette vidéo-là, il regardera mes vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle de ça, justement. Avec tout le grand respect que je lui dois, bien sûr. Parce que Benna, c'est pas un escroc non plus. Voilà. C'est un mec qui connaît l'histoire. OK? Bon. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous présente une vidéo quand il parle des vendeurs de rêves. Parce que ça suffit avec ça, quoi. Ça suffit avec tous ces crétins-là, ces mecs qui essaient de se faire du fric derrière le dos des gens, ils ne savent même pas jouer à la roulette. Ça suffit. Voilà. Ce que je veux dire. Ah, je suis un peu en colère là. Je suis un peu en colère parce que j'ai pas l'habitude d'être en colère comme ça, parce que j'en ai marre de voir ça. J'en ai marre de voir. Moi, je me suis fait escroquer comme il s'est fait escroquer Bennac. Bennac, à un moment donné, il explique. Dans sa vidéo qui s'est fait escroquer par des logiciels, moi je me suis fait escroquer pareil, il y a des années. Et ceux qui m'ont escroqué, ils osent encore m'envoyer des emails. Ben, je vais vous dire une chose, je leur réponds, mais je ne vais même pas imaginer ce que je leur réponds. Ah ouais, mais je leur réponds, mais grave. Hein. Je leur dis, mais tu m'envoies encore des emails, toi? Mais t'es un escroc, quoi. Mais ils ne m'envoient plus d'emails, quoi. C'est tout, quoi. C'est tout ce qu'il faut leur répondre à ces gens. Des mecs qui se font du fric en vendant des logiciels, en vous vendant du rêve qui n'existe pas. Comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, quand je vous parle de Dan, il ne vend pas du rêve, lui. Lui, il monte les vidéos où il gagne ou il perd. Ses membres qui utilisent son logiciel, ils montent les vidéos où il gagne ou il perd. Mais le truc, c'est quoi le secret? Le secret, c'est avoir un truc quand tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, mais finalement, tu es quand même gagnant à la fin du mois. Voilà. Bah, quand tu sais vraiment te servir de roulette élite par le logiciel de Dan, si vraiment tu sais t'en servir, t'es gagnant à la fin du mois. Il faut travailler avec. Voilà.
Parce que Dan, c'est pas un vendeur de rêve. C'est un vrai joueur de roulette. Et ce qu'il propose, c'est de la vraie roulette. C'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, c'est peut-être le seul, d'ailleurs. Peut-être le seul au monde qui propose un logiciel, qui, un logiciel. Je sais même pas si je peux appeler ça un logiciel, Dan. Tu vois, là, je m'adresse à toi. C'est un soft. Non, ouais, non, pour moi, c'est un truc de statistique, quoi. Énorme. Une usine à gaz extraordinaire. Avec plein de méthodes, avec plein de, avec, comment je pourrais dire, comme si c'est toi qui faisais le truc. C'est pas le roulette élite qui vous fait gagner. C'est toi, la façon dont tu utilises le roulette élite, ton intelligence, ta façon de concevoir la chose, qui te fait gagner avec ce logiciel de statistique de méthode. Eh ouais, tu vois. C'est ça que je veux dire. Mais le logiciel tout fait, comme ça, où tu mets machin, etc., et puis genre, il t'indique ça, tu le fais, et t'as pas à réfléchir. C'est de la merde. Je vous dis, c'est de la merde. D'accord? Un logiciel, c'est fait pour vous faire réfléchir. En fait, je vous dis une chose. C'est quoi Roulette Élite de Dan? Pourquoi je dis que c'est extraordinaire? Pourquoi je dis que c'est le seul logiciel qui est extraordinaire? Pourquoi je dis ça? Pas parce que c'est mon ami. Parce que déjà, moi, je l'ai pratiqué, donc je sais qu'est-ce qu'il vaut, ok? Et deuxièmement, parce que c'est un outil, ce que j'appelle à la prise de décision. Voilà. C'est vous qui utilisez ce logiciel, et c'est votre concept par rapport à cet outil qui est extraordinaire, la façon dont vous allez utiliser cet outil, qui va vous faire gagner ou perdre. Voilà ce que c'est qu'un logiciel. Et pas des trucs tout faits à la con, avec une méthode ou deux méthodes, où il dit, voilà, tu mets ça, tu vas gagner. C'est de la merde, ça. D'accord? Donc, le logiciel dont on parlait là, moi je parlais là, de ces bandes de rigolos là, Daniel Roulette, ou je sais pas qui là, ou le, comme dit Bennac, le parti Cottem, avec ses logiciels à 2 balles là, où il te dit, joue ça, t'as même pas, c'est même, ce sont pas des outils à la prise de décision. Ce sont des logiciels qui te disent, joue ça. Alors tu joues ça. Tu perds ou tu gagnes. Ça, c'est de la merde. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Donc, ce qui est très important dans cette vidéo, en fait, que je fais là, c'est que n'achetez pas des logiciels. Ou alors, vous pouvez faire un truc. Vous dites au mec, passe-le-moi 4 jours, je teste, et après, si tu veux, je t'achète. C'est tout. Mais n'achetez pas un truc comme ça, sans l'avoir testé, sans l'avoir vraiment. C'est ça que je veux dire. C'est pas possible. Vous allez perdre votre pognon. Hein. Comme dit Ben Nat, faites gaffe à votre pognon. Entièrement d'accord avec lui. Encore une fois. Faites gaffe à votre pognon. Voilà, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Je vais pas redire ce que dit Benna sur Patrick Cottem, parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, j'irai la même chose sur ces rigolos là que je vous parlais, qui m'ont viré de leur réseau là, parce qu'ils supportaient pas les réponses que je donnais. Évidemment, quand tu leur dis à cette bande de zigotos. Si vous gagnez votre vie avec la roulette, ils se contredisent après. Ils disent, pourquoi vous vendez le logiciel, là? Vous n'avez pas vendu le logiciel. Car roulette, ils vend rien, lui. Ils vend rien. Vous vous rendez compte, si car roulette, il vendait un logiciel, qu'est-ce que ça ferait? Il y en aurait 10 000 qui l'achèteraient. Mais ils vend rien. C'est pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un escroc. C'est tout. Parce qu'il sait très bien qu'à la roulette, on gagne, on perd. Et il sait très bien que lui, la façon dont il joue la roulette, il n'y a que lui qui sait jouer comme ça. Personne, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le copier. D'ailleurs, il y a un moment donné, il a mis une pancarte. Vous vous rappelez, sur YouTube? Parce qu'il y a des gens qui vendaient des logiciels en se faisant passer pour lui. Il a mis une pancarte en disant, si quiconque se fait passer pour moi et qui vend un logiciel, sachez que c'est fake. C'est pas moi. Moi, je ne vends rien. Voilà ce que c'est que ce monde de la roulette du business. C'est grave quand même, non? Déjà, la roulette, c'est un jeu compliqué.
Mais en plus, on a affaire à une bande de zigotos qui vous font promettre des rêves, quoi. C'est grave quand même, non? Alors je vais vous dire une chose. Pas pour conclure, peut-être, ou pour conclure. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose. La roulette, il faut tester beaucoup des choses en fictif. Regardez à droite, à gauche, ce que les gens parlent, ou les méthodes qu'on voit. Vous testez en fictif, vous voyez, ça marche. Mais surtout une chose, c'est que tant que c'est pas stable, la méthode, si vous voulez gagner l'argent à long terme, ne jouez pas cette méthode tant qu'elle n'est pas stable. Ou à part des méthodes à très court terme. Très court terme, et vous changez de méthode directement. Dès que la méthode ne marche plus sur les 15 derniers nombres, vous changez de méthode. Et là, pour ça, il faut en connaître 25 000. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous voulez jouer à court terme comme ça avec des méthodes. C'est pour ça que quand je parlais de la roulette élite de Dan, la roulette élite de Dan, elle est faite pour ça, justement. Il y a tellement de méthodes dedans que vous pouvez changer d'une méthode à l'autre. C'est pour ça que ça marche. Parce que c'est le truc est hyper bien pensé, quoi. Mais si vous connaissez que trois méthodes, quatre méthodes, ça ne marche pas à long terme, quatre méthodes. Il faudrait connaître je sais pas combien de méthodes. Et justement, quand je parle de roulette élite, il y a je sais pas combien de méthodes dedans. Moi, je vois les méthodes, j'hallucine. Ils ont je sais pas combien de méthodes. Ah, incroyable. Ils changent de méthode à l'autre. Évidemment, ils ont compris le truc. Eux, ils ont compris le truc. Bon. Alors, vous allez me dire pourquoi moi, j'utilise plus. Ou j'utilise pas. Mais, parce que tout simplement parce que c'est beaucoup de travail, en fait. C'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que je sais que si je veux travailler avec ce logiciel, j'ai pas le temps, en fait. Parce que comme je suis en plus dans une boule de poker, moi, je fais de la roulette comme ça pour mon plaisir. Et là, j'ai trouvé un système très stable, mais qui c'est que sur les chances simples. Voilà. Ça peut dire qu'il ne peut pas planter. Hein. Il y a une vidéo là où je suis à 500 euros, je descends à 333 à un moment donné, quand même. Ah, quand même. Ouais. Ça veut dire que c'est stable, mais des fois, c'est limite. Hein, je suis honnête avec vous. Mais effectivement, c'est la plus stable que je connaisse au niveau des chances simples. Voilà. Donc je joue comme ça, puisque je prends là j'ai pris 258 euros en 3 jours. Je joue comme ça. Ou peut-être qu'après à un moment donné je vais tout perdre, je sais pas, mais je m'en trouverai quand je perds tout. Ne vous inquiétez pas. Hein. Mais si je décidais, par exemple, moi, je vais vous dire une chose, si je décidais de passer, repasser professionnel en roulette, je travaillerais avec le logiciel roulette élite. C'est-à-dire que je lâcherais le poker, hein. Et là, je ne peux pas le lâcher parce que je suis engagé dans une team de poker. Je lâcherai tout ça. Je prendrai, je louerai son logiciel pour 1 mois, qui est à peu près, vous allez me dire, c'est quoi? C'est genre 70 boules, 80 boules. C'est rien, quoi. C'est même pas les 100 boules que réclamaient les autres pour leur logiciel de merde. Vous comprenez? Et je commencerai à travailler en fictif avec et essayer de, pendant 8 heures d'affilée, essayer de trouver des choses dessus, avec de l'aide à la prise de décision et en fictif. Voilà comment je travaillerai au Latinite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas le temps de le faire. Et Dan, il le sait d'ailleurs. J'ai pas le temps. Donc je le fais pas. Donc je préfère jouer pour mon plaisir et puis avec une méthode à peu près stable et je vous montre des vidéos. Voilà. Voilà la réponse. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Faites gaffe vraiment avec votre pognon. Essayez d'aller dans les trucs sûrs. Quand je vous parle de Dan, par exemple, lui, c'est un mec qui est sûr. Si vous rentrez dans cette team de poker, etc. En plus, c'est un mec qui a du cœur. C'est un mec, comment je peux dire, moi, par exemple, au début, quand j'étais à la roulette, il y a des années, des années, des années, il m'expliquait son logiciel. Il venait d'arriver, enfin, son logiciel, ses méthodes, tout ça venait d'arriver et il montrait pendant 1 heure, 1 heure et demie comment ça marchait, etc. Et tout gratuitement. Hein. Pour ça que je dis qu'il m'a beaucoup aidé. Et puis attention, Dan, c'est un joueur, un vrai joueur de roulette. Il joue terrible. Il joue terrible. Voilà. Donc,
Ce que je veux dire, c'est que tout le reste de ceux qui vendent des logiciels, des machins, n'investissez pas dans un truc que vous ne savez pas où ça va vous amener. Parce que ça va vous amener certainement à la ruine à long terme. La ruine totale. Et là, je suis en train, je ne mâche pas mes mots, là. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, attention. Ce jeu, la roulette, est un jeu dangereux. Il faut connaître. Vraiment connaître. Voilà.